J'aime me lever le matin et de voir une ville telle que New York ici derrière moi se réveiller en même temps avec... Le premier réflexe de la journée, c'est de prendre ma bouteille. J'aime commencer mes journées donc par une séance de sport qui pour moi est capitale. Parce que la première des personnes que vous devez pousser chaque matin, c'est pas votre partenaire de vie, c'est pas, en termes d'excuses, votre voisin, votre patron, c'est vous-même. Faites en sorte de vous pousser chaque jour. Si vous le faites pas, vous aurez du mal. Toute ma vie, si je regarde mon parcours, parce que beaucoup de gens ne voient que le résultat, fitness center, ça a été de vivre à 110%. C'est exactement ce que j'enseigne aujourd'hui à mes participants dans plusieurs pays, 50 pays différents. Ils arrivent de 50 pays, viennent à la tournée 110 à Paris et à Montréal chaque année. C'est de leur expliquer que il y a deux piliers fondamentaux dans ma vie. Le premier pilier, et c'est vrai, et ça c'est vrai. Le premier pilier, ça a été notamment de se dire qu'il faut rester engagé à 110%. Si vous n'êtes pas engagé à 110%, non. Tout ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Que ce soit ici, là je suis en train de vous parler à vous, que ce soit dans une conférence, je suis hyper focalisé. Faites en sorte que rien ne vous dérange, que rien ne vous déconcentre lorsque vous avez prévu de faire quelque chose. Dans beaucoup de situations, vous devez avoir des compétences particulières, la médecine, l'informatique, peu importe, il faut des compétences. Mais le plus important, croyez-moi, parce que la plupart des gens vont à l'école aujourd'hui, en Occident en tout cas, le plus important, c'est surtout pour vous de vous dire « je dois rester engagé à 110%. » À l'âge de 11 ans, tous les week-ends pour aider mes parents à payer leurs factures. Ils me l'ont jamais demandé. Hein. Donc tous les week-ends, je travaillais. À 13 ans, 14 ans, j'ai décidé de l'homme que je voulais devenir et que j'allais devenir. C'est 25-30 ans que les gens ne voient pas. Ils voient juste peut-être le produit final. Tu vois, oh, il est beau ce ballon. Tu vois. Et à partir du moment où tu vas être focalisé, tout va changer pour toi dans ta vie. Donc la première des choses, c'est l'hyperfocalisation. Si aujourd'hui, je peux voyager dans le monde entier, avoir un style de vie que d'aucuns adoreraient, bien c'est après toutes ces années, tu vois. Et il y a un deuxième pilier qui est fort pour moi, c'est que je n'ai jamais cherché l'argent. C'est fou hein, de dire ça. Mais je voulais absolument, évidemment, sortir de cette galère dans laquelle j'étais. Au début, j'y croyais pas. Ensuite, plus j'ai travaillé sur moi, plus je me suis dit, mais c'est pour moi aussi. Mais j'ai cherché un style de vie et non pas un style de compte bancaire.
Et le style de vie que j'ai cherché, c'était notamment pour avoir cet immense plaisir de me lever le matin et de me sentir utile pour les autres. Et je suis profondément animé par ce désir d'impacter, de faire la différence pour les autres. J'ai passé une grande partie de toutes mes actions à échouer. Mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir échoué? Mais à partir du moment où j'ai commencé à analyser le comportement des grandes fortunes et ensuite à les coacher, les accompagner et les avoir ensuite comme amis, il y avait ces deux traits de singularité. Et c'est pour ça que j'ai créé la tournée 110. L'effet 110, c'est pas être brûlé, c'est pas faire un burn-out. Quand vous ne lâchez rien, quand tout ce que vous faites du matin au soir fait du sens pour vous, et c'est ça le plus compliqué, c'est comment trouver le sens dans sa vie, c'est ce qu'on enseigne dans nos événements. Tout ce que vous faites, c'est être engagé à 110%. Ça veut dire faire de votre mieux avec l'état de vos connaissances, de vos informations, de votre énergie dans l'instant T. Faites de votre mieux. Ne vous retrouvez pas dans une situation où vous allez vous dire « je regrette, j'aurais dû ». Ce que c'est bon d'échouer pour ensuite se renforcer.